Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Madame Anne-Désirée Oulotto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, sensibilise en milieu rural. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Madame Anne-Désirée Oulotto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, met à la disposition de ses 10 équipes des kits d'assainissement et d'hygiène destinés aux populations rurales, un geste qui lance la campagne de sensibilisation contre la maladie à coronavirus avec pour objectif installer des latrines et promouvoir les mesures barrières contre le Covid-19 en milieu rural. Dans les milieux ruraux, mesdames et messieurs, le faible taux d'accès à l'assainissement et à l'hygiène nécessite une sensibilisation plus accrue de nos populations. Car l'assainissement et l'hygiène sont importants dans la lutte contre cette pandémie. 31 régions, 70 préfectures et 300 villages repartis sur toute l'étendue du territoire national sont concernés. Madame Anne-Désirée Oulotto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, appelle à l'engagement de tous. Je voudrais donc saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer un appel aux chefs de village, aux chefs de communauté et les inviter à continuer inlassablement cette campagne contre ce virus en insistant sur les mesures barrières à respecter dans leurs différentes localités. Le ministère de l'assainissement et de la salubrité s'engage à être un acteur indispensable dans la lutte contre la propagation de la maladie à Covid-19. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.